Ah, punaise. Et salut les amis, c'est Banaski, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Minecraft pour un épisode 2 sur le modpack Better MC. Donc c'est parti les amis, bon visionnage. Ok les amis, c'est reparti pour notre aventure. Donc la dernière fois on s'était quitté juste ici. Donc j'ai pas bougé comme vous voyez. Comme vous voyez j'ai pas du tout bougé. On va regarder s'il y a pas du stuff. Je pense qu'ici on va peut-être en faire notre maison. A voir. On va faire une première base ici. On va passer la nuit après. On avait tout pris dans les coffres. Bon, il reste un arc, c'est tout. Ouais, ouais, on avait pris... on avait tout vidé. Bon, on va dormir. On va attendre le jour. Pour pouvoir continuer à explorer. Alors. Par où est-ce qu'on va partir cette fois-ci? Moi, je partirais bien par là. Parce qu'on a exploré... On est parti par là, mais on n'a pas exploré. Oh, creeper. C'est bon, c'est bon. Ouais, du coup, je vous disais, on a exploré par là, mais on n'a pas exploré par là. D'ailleurs, je suis mort là-bas. On va pas aller rechercher notre stuff, c'est beaucoup trop loin. Je pense qu'on je préfère explorer et nous faire un nouvel inventaire en découvrant la map un peu plus. D'ailleurs, je trouve que les effets sonores sont incroyables. Ah, là-bas, il y a une structure. Je crois que c'est une structure de portail du Nether. Ouais, c'est ça. On a des melons. C'est... ouais, c'est pas des mini-melons, ça. Ils sont un peu plus gros. Ils sont un peu plus gros. Faudrait qu'on trouve une structure. Bon, je sais pas si vous avez vu l'épisode 1, mais les précédentes structures qu'on avait trouvées, c'était un peu compliqué. Là-bas, je crois qu'on a un village. On va aller explorer ça. Ah, merde, c'est un village de pillager. Ok. Ok, ok, ok. Non, 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 non. Non, non. Et merde. Bon, bah, c'était rapide, hein. Je suis encore mort. Je suis encore mort. Cette fois-ci, j'avais rien sur moi, donc ça va. Cette fois-ci, j'avais rien du tout, donc ça va. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Cette fois-ci, on va aller par là. Ouais, j'essaye d'aller aux quatre coins à chaque fois pour en découvrir le maximum. En découvrir le plus possible. En tout cas, si vous voulez que je continue la série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Car l'épisode précédent, il n'y avait pas trop de commentaires qui me disaient de continuer, mais j'ai vu que vous avez beaucoup liké. Donc je me suis dit, bah ça veut dire la même chose quoi. Il y a une structure là-bas. Ah, il y a des alligators. On va pas trop s'en approcher. On va pas trop s'en approcher, je pense que... Ça doit être agressif. Ok les amis, je trouve toujours rien. Là, je traverse un petit pont. Très sympathique d'ailleurs. Mais je trouve toujours rien. J'ai bientôt plus de nourriture. Je vais bientôt devoir passer à tabac et une vache ou autre pour pouvoir manger. Bah tiens, maintenant tiens. Mais là, il n'y a que des mouches et des corbeaux. Viens là. J'ai faim. Bon bah, casse-toi. Alors... Vraiment qu'on trouve une structure. Parce que là, ça va pas. Là-bas, je crois qu'on a quelque chose là-bas. En face, là. Il doit y avoir quelque chose. Là, il y a un gros poisson, là. Je sais pas si il est agressif. Non, c'est un poisson chat. Pas agressif, ça.
On peut passer tranquille, je pense. Ouais, est-ce que je vois là-bas, il y a une structure, donc je pense qu'on va se diriger vers là-bas. Nickel, on a trouvé un village. Là, c'est sûr, il y a de la nourriture. On va forcément trouver quelque chose à manger. Eh, il est pas petit, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Là, il n'y a rien. On va passer par là. Bah, déjà, il y a ça. Avec ça, on va faire du pain. On va faire du pain, on va pouvoir manger, déjà. Il va falloir trouver juste un établi où en faire un. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tiens. D'abord, prendre ça. Pas du tout, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va prendre une bûche, comme ça on va pouvoir faire un établi. Ah, ils sont armés les villageois. Ça y est, ils en ont marre qu'on s'attaque à eux. Ils se laissent plus faire. Et voilà les amis, j'ai 33 pains. Je pense que ça va le faire. On est plutôt pas mal. On va prendre ça, on va s'équiper. Prendre aussi le pain. Et une torche. Toujours pratique pour s'éclairer. Ah oui. On va avoir pas mal de baguettes là. De quoi bien manger. C'est quoi ça comme villageois? Ok. Alors. C'est des graines de quoi? Graines de tomates. Oh, ça m'intéresse pas trop. Bon. Il n'y a rien d'autre qui pourrait être intéressant. À part à côté, à la rigueur, là, la petite maison là. Que je sais que c'est un village de pillagers. On peut peut-être trouver des choses intéressantes. Par contre, j'ai aucune arme. Ah bah dis donc, ils en stockent de la nourriture. Là, on va pouvoir prendre ça. Flèche, du cuir. Fer. D'or. Ok les amis, je viens de trouver une structure, c'est une maison de sorcière. On va aller tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon bah déjà la sorcière, c'est fini pour elle. Et on a rien de bien intéressant à l'intérieur. En tout cas, les amis, regardez la structure que j'ai trouvée. Ceux qui ont regardé l'épisode 1, ils savent très bien ce que c'est. Et c'est grave compliqué. Je pense même qu'on devra peut-être attendre que la nuit soit tombée pour passer le jour. Ok les amis, c'est bon, il fait jour, alors on va tout de suite y aller. J'ai réussi à me faire un plâtre en fer avec le fer que j'avais fait. Ah bah tiens, ça commence déjà les ennemis. Ça commence déjà, on n'y est même pas. On doit avoir peut-être une maison pas loin. Non, j'ai pas l'impression. Ok, on peut voir le nombre d'ennemis à peu près qu'il y a. Il y a des squelettes, il y a des zombies. Je vois pas d'araignées sur la carte.
Ok, on peut voir aussi que c'est ouvert. Et on ira en direct. Ok, on ferme. On esquive. Et on va le buter. Ah, ça m'a l'air pas très bien fourni là. Je pense que plus on va monter, plus on va mieux on va être équipé. J'ai oublié de ramener une pioche. Oula, 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 oula. Il doit avoir un spawner là-dedans. Il a même pas d'arc. Tiens, il y a une armure en fer là. Enfin en or, qu'est-ce que je dis, je raconte que des conneries. Une armure en or. Comment on va pouvoir casser ça? Faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ce genre de choses parce que là j'ai pas de pioche. On est un peu emmerdé. Les livres on les prend toujours, on en aura tout, on en aura besoin au bout d'un moment. Là ça va, on n'est pas trop. Ah, les araignées. Je crois qu'ils nous voient pas. Ah si, si, ils nous voient, ils nous voient, ils nous voient. Il pleut, du coup ils nous voient. Ok. Bon, je reprends là un peu de la vie là. Ok, en haut il y a des Vex. Pour ceux qui savent pas, ça fait max de dégâts ça. Ils font trop mal. Oh punaise. Ok, on va essayer de monter encore plus haut. Je sais pas par où sortir, mais en tout cas, il y a les Vex. Et ils vont aussi nous tuer. Par où est-ce que je vais pouvoir descendre? Les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui le feront. C'était Banana Skill. Je vous dis à la prochaine. Ciao.